démarrer la cérémonie. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, monsieur le directeur du CUT, monsieur Magelsen, avec votre permission, nous allons écouter l'hymne national du Sénégal. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Babacar Kébé, qui porte la parole des étudiants, de me rejoindre pour son discours. M. Babacar Kébé, s'il vous plaît. Monsieur le directeur sortant, monsieur le directeur entrant, madame, mademoiselle et monsieur, honorables invités, chefs de service et de département, chers agents du CUT, honorables délégués représentants d'étudiants, veillants, guerriers et défenseurs éternels des intérêts matériels et moraux des étudiants, je veux nommer, chers présidents et PCS, bonjour. Qu'il me soit permis encore une fois, de plus sur la forme et avant d'entrer dans le fond, d'adresser nos vives félicitations au directeur sortant, actuel ministre de l'Urbanisme, M. Abdoulaye Seydi Sow, pour sa nouvelle aventure au service de l'État et de la population sénégalaise. Qu'il nous soit permis, chère assistance, de témoigner hic et nunc notre gratitude sans commune mesure envers M. Abdoulaye Seydi Sow, qui en si peu de temps a su donner au campus social une image dont l'esthétique ne saute point des yeux, mais qui aussi dans les problèmes de fond du campus social n'a ménagé aucun effort avec son équipe pour que des solutions les plus idoines puissent être trouvées et concrétisées. Nous ne pouvons non plus dire que tout est rose au campus social, mais vu les réalisations en si peu de temps, vu la dynamique participative et inclusive des étudiants dans la gestion du CUT, vu les projets en cours et vu son sens de l'écoute et son ouverture, Monsieur le ministre, nous vous disons que jamais il n'y a eu de regret de vous avoir comme directeur général du CUT et que la satisfaction a été vraiment de taille. Sur ce, monsieur le directeur entrant, faites de votre bouclier votre personnel, mais aussi et surtout les étudiants pour qui vous avez été nommé, en les associant et en se souciant aussi longtemps que vous serez là de leurs conditions sociales. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Manene Chéri. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, monsieur le directeur du CUT, monsieur le directeur adjoint, monsieur le CSA, chers collègues, chers étudiants, honorables invités, monsieur le directeur, nous vous exprimons au nom de tout le personnel du CUT nos félicitations sincères, nos souhaits de bienvenue et de réussite face aux multiples défis qui vous attendent. Nous avons confiance, car vous êtes sortis de la même école nationale d'administration. Comme on dit, Bismillah. Monsieur le ministre, monsieur le directeur du CUT, nous prions Allah de veiller sur vous, de vous protéger et de bénir chaque jour vos actions afin que vous meniez à bien, chacun en ce qui le concerne, les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous confier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons demander à une autre dame de nous rejoindre. Il s'agit de Madame Valir Somme, qui porte
la parole de l'intersyndicale du COUD. Monsieur le directeur adjoint, monsieur le CSA, mesdames, messieurs les chefs de département, mesdames, messieurs les conseillers techniques, mesdames, messieurs les chefs de service et chargés de mission, chers étudiants, honorables invités, ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à vous, monsieur Abdoulaye Seydou Sow, directeur sortant, premier ministre. Yal ne le dit. Aujourd'hui, force est de constater que depuis votre accession à la tête du COUD, vous avez pensé à innover en mettant l'accent sur la promotion interne et des changements pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. En effet, vous n'avez pas tort, car vous avez choisi et bien choisi une équipe dévouée, très dynamique, qui répondra plus tard à la presque totalité de vos attentes. Monsieur le ministre, sachant que l'étudiant est notre raison d'être, vous avez aussi beaucoup contribué à son bien-être et à son épanouissement. L'intersyndicale vous en remercie, car nous formons une famille dans l'espace universitaire. Après 17 mois, si je ne me trompe, de bonne et loyale collaboration avec les syndicats du COUD, notre cher directeur nous quitte pour une promotion bien méritée. De grands changements ont été notés. L'intersyndicale s'en félicite pour ainsi rappeler l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Monsieur le ministre, que le bon créateur guide vos pas. Un moment s'achève, un autre commence. L'intersyndicale souhaite la bienvenue à l'actuel directeur, monsieur Maguette Sène. Avec vous, monsieur le directeur, nous jetterons un regard rétrospectif sur ce qui a été fait comme acquis en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du Centre des œuvres universitaires de Dakar, mais aussi en termes de doléances à soumettre plus tard. L'intersyndicale vous souhaite une réussite sans faille dans la mission qui vous est assignée. Que notre collaboration illumine votre passage au coude et se termine par une promotion bien méritée, née d'une réussite partagée. Amin. Par Valir Sam, secrétaire général du statut, porte-parole du jour de l'intersyndicale. Je vous remercie. Je m'excuse, Madame Niambe Diop. Mangi sante directeur Maguette Sène, du directeur bu aménager aucun effort ak ay agents. Machallah, li may wax dafa joggé ci xol, ma bëgg mu dugg ci ay nopp ndax dafa dugg ci man. Li olof nan ma féké le police bëgg. Maguette Sène gatché ngalam. Maguette yañu jangal fulla. Maguette yañu jangal job. Maguette yañu jangal fayda. Maguette gissoo dara liggéey, liggéey rek nga xam. Référence nga ci ñun. Billahi Maguette sa dem bi neexuñu. Dafa fekk nak situation oblige. Bu bur soxla ku soxla ñak. Promotion di gërem Yalla. Di la ñaanal fi nga djublu Maguette. Yalla na la fa suñu borom jitu. Ba lo fa sabab Yalla tek ci loxom. Di gërem président de la République mi jël lengay jox lako. Sante it ki nga fi remplacer ndax dégg nañu ay wayam rafet na. Waye yeen étudiant ma ngi leen di xamal ni am ngeen jambar, am ngeen borom fit, am ngeen liggéey kat, ku am jom, ku ragal gatché, ku doxul daraay gatché. Yalla def nak sama rawaan bugul dara lu bon, man duma jégué ku bon. Suma démé ba sédel la li Maguette lu deggul la. Ku yir sa agent nga, ku liggéeyloo say agent. Nit dina nek ak directeuram seen ko rek gis melni ko gis gaynde. Maguette ken ragalawul la dara, waye rusé nañ la sa jambar. Ragalewuñ la dara waye rusé nañ la sa jambar. Machallah, yalla na yalla def jamm. Su wax ji djubé ci suñu borom la, su dengé ci ci man la. Ngeen bal ma. Nous allons demander à Diop, représentant administrateur civil, s'il vous plaît. En bon rang, qualité et titre. Il m'est très agréable aujourd'hui de prendre la parole au nom de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal, qui a le plaisir d'accueillir en son sein aussi bien le ministre Abdoulaye Sow que le directeur Maguette Sène. Donc ce sont des membres d'une même famille qui se passent des consignes aujourd'hui. Donc l'amicale est extrêmement fière de vous compter parmi ses membres. Mais en très peu de temps, le bureau et l'amicale ont fait des pas de géant en termes de démarches qualitatives.
pour ne pas faire de jaloux, je ne rentrerai pas dans les acquis que nous avons pu réaliser depuis que Maguette Sène est à la tête de cette amicale. Et nous sommes persuadés que le travail qu'il a eu à impulser dans l'amicale, il fera de même au niveau de cette institution qui est le CUD. Comme on le dit tout à l'heure, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les hommes passent, les institutions demeurent. Et nous avons un préjugé extrêmement favorable par rapport à Maguette Sène pour le travail qui a été confié par M. le Président de la République dans cette structure qu'on appelle le CUD. C'est nous dans nous. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous et nous pensons que le flambeau, vous allez le garder encore très haut. Aussi bien Ablaye Sow au niveau du ministère qui lui a été confié que Maguette Sène au niveau du CUD. En tout cas, sachez au nom des collègues que nos prières sincères vous accompagnent, que le Seigneur illumine votre voie et qu'il guide vos décisions afin que, au bout du compte, les résultats qui sont attendus de vous, vous puissiez absolument les dépasser. Et je suis convaincu que vous y arriverez par la grâce de Dieu. Je remercie tout le monde pour l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Merci. Après 17 mois à la tête du CUD, il a été promu ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. J'en dirai pas plus. Je vous demanderai tout simplement d'accueillir Monsieur le ministre. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Si Maguette Sène, Monsieur le directeur du CUD Barna, Jaratul Diwak, Fi Koufinek Bah, président de la République Warnoko, Nyatiyonangini, directeur du CUD Boufidjogé, Degu Monsieur le ministre, Ablaye Diouf Sarr, Monsieur le ministre, Monsieur Omar Anne, Monsieur le ministre, Teydi Abdoulaye Sow, Monsieur le ministre, lan moko waral, bax moko waral, yaatu moko waral, and ak ay nit ñu bax, and ak ndop sek mu goré mi, ndop, lu bax li nga def fi tay, ku jël kaddu, tuduna sa tour, lan moko waral lu bax li nga def. Andal, ya am fula, ya am fayda, bëgg président Macky Sall, bëgg ñop, di sant di gërëm la DG Macky Sall, ndop sek, jërëjëf. Moussa Ablaye Sow, monsieur le ministre, na la wor ni président content nañu gëd nañu ñi ngi lay ñaanal yalla yalla guddal saw fan diko di la ñaanal yalla yalla yokula taxawula directeur bu na fekk la liggéey na do juroom ñi directeur waye bi mu ñëwé 17 mois la fi def limu fi def ben la jëdë la ilaha illallah bu ñu ñëwé bëgg lu baax da nga jël ñi la fekkoon teg leen seen kanam and ak ñoom dox leen may bu gëlé docteur dom sek yaq ci dara c'est ça da nga tok ci bureau waye day sol jokki sol tim sol capine dugg ci terrain and ak jigen lu baax ba leen may sous ak madame Thiam monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique Edouard Mohamed Diop. Dans sa présentation, il a omis de dire qu'il nous a aussi encadrés à l'ENA. À travers lui, je salue tous nos formateurs que nous avons en commun. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, Monsieur Abdoulaye Gueye, qui m'a fait le plaisir de venir alors que je ne lui avais pas convié, et tous les agents du ministère de l'Urbanisme. Monsieur le directeur général de la CIRN, notre ami Saliou Sam, avec qui je partage aussi les valeurs du mouvement sportif. Chers collègues administrateurs civils, il y avait envoyé aujourd'hui le coup. Monsieur le directeur adjoint, Khalifa Diagne, monsieur le chef des services administratifs, Docteur Ndop Sek. Monsieur les chefs de département, madame, mesdames et messieurs les chefs de département. Monsieur les chefs de, mesdames les chefs de service. Président d'Amicale d'étudiants. Président de commission sociale d'Amicale d'étudiants. Nos parents de la DMTA.
et nos parents de Malikunda, mais aussi mes parents de toute la région naturelle de Ndoukoumane et de Kaffrine, que j'ai vu ici à travers la représentation de tous les maires. Je suis honoré et fier de cette présence. Monsieur Gaston Meg, mon ami de tous les jours, mon ami et mon compagnon de lutte dans les moments les plus difficiles, responsable de syndicats, de tous les syndicats avec qui j'ai travaillé dans le respect mutuel et la considération réciproque. Chers parents et amis, le chef de l'État avait voulu que ces cérémonies soient sobres, mais le coup dans sa composition est ce qu'il est. Tous les orateurs que vous avez vus autour de cette tribune, monsieur le directeur général, c'est des membres du personnel paradoxalement. C'est un personnel composite divers représentant la société sénégalaise. Et c'est pourquoi je crois que le chef de l'État nous excusera de notre composition et de nos réalités au sein du groupe. J'ai peur d'être étreint par l'émotion, tellement j'ai voulu serrer la main de chacun d'entre vous qui avez sacrifié vos week-ends, vos jours de travail, vos vies de famille pour être au service de l'établissement. Mais n'ayant rien à donner d'autre que le merci, je ne peux que vous servir le merci. Merci tiré du fond du cœur. Parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, Maguette a la lourde charge de vous avoir, mais aussi de m'avoir comme agent éternel du coup. Monsieur le président Charles Maguette Sen, ce que vous avez vu ici, ou entendu ici, n'est pas le travail d'Abdoulaye Sow. C'est le travail de toute une équipe, motivée, engagée et pluridisciplinaire. Monsieur le directeur général, il ne faut pas vous tromper. Pour réussir au coude, il faut avoir la bonne collaboration du personnel. Il faut avoir l'engagement des étudiants. Mais il faut avoir le soutien du chef de l'État. Très bien. Avec lui, je suis convaincu que le coude sera encore plus haut, plus fort et plus convaincant. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le directeur du BIC, M. Maguette Sen, sous vos ovations. D'abord, le département de Kamoulomélon, Sayer accepté qu'il accepte d'elle. Tant qu'il n'y a aucun. Monsieur le directeur général de la CIRL, président du conseil départemental de Mbour, je veux nommer mon ami et frère Salim Sambou. Messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, madame la secrétaire générale de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, je l'ai nommée tout de suite, il s'agit de ma sœur Oumissi Langaï. Monsieur le chef des services administratifs du COUD, monsieur le directeur adjoint du COUD, mesdames et messieurs les conseillers techniques et chefs de département, mesdames et messieurs les chefs de service, chers étudiants, monsieur le représentant des travailleurs du COUD, madame la représentante des amicales du COUD,
Monsieur le représentant du DUC, Dakar Université Club, chers collègues maires ici présents, Monsieur le représentant de la DMTA et l'ensemble des travailleurs de la DMTA, honorables invités, je voudrais d'emblée témoigner à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, ma profonde gratitude et mon indéfectible loyauté pour la confiance en mon endroit renouvelé. Je lui en suis reconnaissant au plus haut niveau. Cette nomination à la tête du Centre des œuvres universitaires de Dakar, je l'accueille avec humilité et retenue, eu égard à l'ampleur des défis se dressant devant moi, mais aussi avec un grand enthousiasme au regard de la dimension exaltante de la mission. Mesdames et messieurs, je tiens toutefois à préciser que je ne suis pas venu en soliste, muni d'une baguette magique, avec la prétention d'apporter des solutions toutes faites. Dans les meilleurs délais, je compte engager de larges concertations avec l'ensemble des acteurs, notamment les amicales, les associations représentatives d'étudiants, les syndicats de travailleurs, l'ensemble des acteurs de l'espace universitaire, pour examiner les préoccupations majeures dans une démarche affranchie de toute forme de subjectivité. Avec la mobilisation de financements sans précédent, je crois que le ministre l'a dit tout de suite, il y a eu le soutien massif du président Macky Sall en vue d'une transformation qualitative de l'université par sa modernisation, le renforcement de ses capacités d'accueil et d'hébergement. Cet effort résolu de redressement afin de contribuer à redonner à l'UQAD sa place de référence en matière d'enseignement supérieur sera poursuivi et amplifié. Monsieur le ministre, nous ne ferons que suivre vos pas, consolider vos acquis. Vous avez déjà tracé la voie. Que Dieu nous confère la sagesse de percevoir ce qui est juste, mais aussi la volonté de le choisir et la force de le défendre en toutes circonstances. Lux Mayalex, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Le cabinet pour Sargal, le ministre Abdoulaye Sidi Sow. Nous avons avec l'honorable Mariama Ndiaye. Nous faisons des cours à Mtio. Doucement, doucement.